Bonsoir, je m'appelle Urtica Djoïka. Oui, ça sonne russe, mais je ne suis pas, bien qu'un peu rustre. Je peux paraître rébarbative pour le regard hâtif qui me voit lever le buste à l'ombre des arbustes. Car j'ai cette beauté repoussante, pleine de bonté et percutante. Pas singulière, tu ne me verras jamais sans sœur, mais je suis pas cinglé, hier j'étais dans le viseur des censeurs. Pourtant, de ma fibre, on fabriquait du textile ou du papier, des cordes ou des paniers, et on ne peut pas nier que je peux pas lier au manque de saveur sur les papiers. Il ne faut pas piller tous ces pays, c'est de l'énergie gaspillée, alors qu'avec moi, regarde, il n'y a qu'à se plier. Oui, j'ai toujours été là, sur le bas-côté, vos ancêtres me bécotaient, il n'y a pas que les pécores qui me picoraient, mais aujourd'hui, je suis comme boycotté. Pourtant, je suis pleine d'acides aminés qui évitent les anémies et plein d'autres ennemis. On pourrait devenir vitamine si l'envie t'anime, mais vitamine, tu ignores ma richesse en vitamine. Alors j'invite ta mimine à se méfier de mes picots et de leur histamine. Mais si tu sais me prendre dans le sens du poil, c'est sans un mal que tu découvriras mes vertus médicinales. Non, je ne suis pas diabolique, mon suc est anti-diabétique. Il stoppe aussi les hémorragies et ma silice renforce tes os. Et comme par magie avec moi, tes cheveux sont plus beaux. Et ma richesse n'est pas unique, car sous mon étonnante tunique, je suis aussi un excellent tonique. Et si tu niques ton sang, j'agis comme dépuratif, détoxifiant de l'organisme. En gargarisme, je soulagerai tes angines. Je suis aussi dans ta cuisine pour te fournir des minéraux, des cristaux. Je contiens tous les oligo-éléments, fusion nutritive de plusieurs aliments. Je pourrais t'en dire encore tellement, mais le temps me manque. Et ces savoirs ont besoin d'être protégés, partagés, car ils ont projeté de retirer ma magie des potagers, duquel j'éloigne les pucerons. Avec moi, bien mieux, tes plants pousseront et tes pieds seront plus résistants aux maladies. Je suis un peu comme une ode à la vie, un pied de nez au lobby de l'agro-industrie. C'est pourquoi en 2006, le gouvernement français a voulu me bâillonner, m'empêcher de rayonner. Mais dans les jardins, tout le monde leur rayonnait. Je suis un engrais naturel, c'est ancestral et culturel. On n'utilise pas depuis des siècles pour rien. Tout ça pour un peu plus de fric, mais un pour tous, tous purins. Les gouvernements furent obligés de reculer, car partout en France, je fus adulé. Mais il existe toujours un texte qui dit que dans le contexte, il faut qu'on teste, voir si je n'ai aucun effet néfaste. Ils veulent effacer mon faste, ceux qui dans mon sol jettent engrais chimiques et pesticides, polluent la terre et les nappes phréatiques, sacrifient la nature pour leur croissance frénétique. À part eux, moi je ne vois pas de peste ici. Et moi, tu sais, je suis qu'une ortie. Avec toi à chaque sortie, l'ortie c'est de l'or tissé, la haine et l'amour assorti. Oui, moi je suis qu'une ortie, avec toi à chaque sortie, l'ortie c'est de l'or tissé, la haine et l'amour assorti. Merci.